6, and we're here in Lac Mégantic, and we have the crew coming out. And we're all ready to rock and roll again. Another town, another day, another life will be saved. Say their names on camera. Yes. While they're walking. Starting. Wow. Okay. And where they're from. And no, no. Demi Roy. No. De Mégantic. De Mégantic. Pierre Roy, Lac Mégantic. Marcel Ducharme, Lac Mégantic. Sandra Turmel, Lac Mégantic. Oui. Non. Bon nom. Oui. Pierre Paquette, je suis Probert ici. Mario Morin, Provio. Bonjour. Comme tâche de visiter plus de 600 villes au Canada. And in each community, we set up or we get help in setting up police escorts and invite many people and do things with schools, malls, so that we can bring a very positive message. L'objectif donc est vraiment de sensibiliser la population de ces villes-là. Alors que ce soit à travers les écoles, bon, les centres d'achat, des choses comme ça, les gens qu'ils rencontrent, ils s'organisent pour qu'à chaque ville qu'ils reçoivent, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à un peu coordonner ces visites-là. Et puis l'objectif premier est toujours de sensibiliser les gens à cette cause-là. And we talk to millions of Canadians across the country with this campaign. À date, plus des millions de personnes ont été contactées, si on veut, ou ont été sensibilisées à cette cause-là depuis le début de la marche. Started on June 20th, 2000, and walked west to Victoria. Alors donc ça a débuté en juin 2000 et puis donc de Toronto ils se sont rendus jusqu'à Victoria. Then when we arrived in Victoria, we had confirmation from Vatican City that the Pope invited me to have audience with him in Rome. OK. Alors, rendu à Victoria, ils ont eu la confirmation de Rome, que le pape était prêt à les accueillir, donc ils sont allés à Rome. And while I had this beautiful audience with the Pope in Rome, he encouraged me to continue this very important message.
blessed the torch and kissed it, and he made a beautiful statement on proclamation. And he said that organ and tissue donation